Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Je vais vous faire la vidéo Instagram slash mes abonnés contrôle ma journée en fait. J'avais déjà fait il y a 2 mois je crois, c'est vous qui choisissez mon make-up via les sondages Instagram. Et bien là on va aller un cran au-dessus et vous allez choisir de toute ma journée en fait tout ce que je vais faire. Je vais vous donner les choix via mon Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, du coup, lorsque vous allez voir cette vidéo, ce sera trop tard. Mais peut-être une deuxième édition et tout simplement me suivre sur Instagram. C'est Richard2609, je vous mets le lien en barre d'infos. Ça me fait super plaisir quand je vois vos likes et vos commentaires, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Donc du coup, aujourd'hui, journée très spéciale car je pars à Londres avec la marque Clinique. Donc du coup, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Clinique ou que sais-je, pas du tout. C'est juste que j'ai été invité à Londres et du coup, je me suis dit ça pourrait être cool de faire ça à Londres plutôt qu'à Paris. Et je pars avec Marwa, donc ça va être très cool. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, genre en mode je me filme dans la rue et tout, mais bon, on verra ce que ça donne. Du coup, on va commencer tout de suite. Je vous ai posé sur Instagram si je faisais un make-up plutôt glowy ou avec des taches de rousseur. Donc, on va voir ce qui a été. Donc, vous avez voté à 40% taches de rousseur et à 60% glow. Donc, du coup, je vais vous faire un teint glowy. Donc, je vais me maquiller et je reviens de toute façon. Il y a plein de vidéos où je sais que je fais mon teint, donc vous pourrez aller voir. Là, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je me maquille et je reviens. Ça y est, mon make-up est fait. Donc, du coup, je vous ai écouté, j'ai mis highlighter. Je me suis pas énormément maquillée parce que j'avais pas envie de maquiller en fait aujourd'hui. J'avais envie de quelque chose de hyper léger. Donc des fois ça m'arrive et donc du coup c'est le cas. Donc du coup je dis beaucoup trop de fois du coup. Pour la tenue je vous ai mis 2 choix de tenue et vous avez choisi. Oh non, vous avez pas choisi celle que je préférais. Ça y est, je suis habillée. Je vous ferai le look total de ma tenue quand je serai dehors et que j'aurai rejoint Marwa pour qu'elle puisse me filmer parce que seule ça va être compliqué. Et du coup maintenant je vais devoir partir pour la gare pour prendre l'Eurostar et aller à Londres. Donc je vous ai posé la question, comment est-ce que je vais à la gare? En Uber ou en métro? Pourquoi vous avez choisi le métro? Je voulais aller en Uber. Bon bah c'est parti, on va prendre le métro. On va prendre le métro, ça va être super sympa. En plus c'est l'heure de pointe, il y aura tout le monde. Super! Bon, merci Marwa, m'a pris un petit Starbucks. Qu'est-ce que ça fait? Peach Citrus Green Tea. Ouais, et moi j'ai pris un jus d'orange. Je voulais vous faire choisir aussi, mais je suis arrivée trop en retard, j'ai pas eu le temps. Sorry. Ça fait un angle très moche quand même. Phobie. Ça, c'est un autre truc de ouf, j'ai brillé en 2 secondes. En même temps, on m'avait fait prendre le métro. Okay, fait prendre le métro. Ah, t'as la poudre? Cool. Ça, c'est. Meilleurs amis, on peut compter sur eux. Ça y est, on est arrivé à Londres. Regardez. Maintenant, direction l'Event Clinic. C'est parti. Oh là là, ça y est, on est dans le noir complet. Du coup, je vous redis qu'on commencera à faire des petits sondages. Là, je suis à la boutique Too Faced, on est passé devant par hasard, trop content. Je voulais trop la voir, petit big up à Estelle. Celle-là, je l'ai déjà, parce qu'en fait, la collection Clover, on l'a pas en France. Et moi, j'ai déjà la palette, mais j'ai vu qu'ils ont sorti le lipstick après. Et donc, je vous ai demandé sur Instagram, est-ce que je l'achète ou pas? Voilà, dites-moi, c'est à vous de me dire, j'attends vos résultats. Bon, vous avez voté oui, donc du coup, je prends Clover. Et toi, tu prends quelque chose? Lip injection. T'as pris le extrême ou le normal? Extrême. Extreme. Don't be extra. Là, on a fini du coup l'Event Clinic. C'était très rapide, très intense, mais très très cool. Je vous ai mis quelques petites images avant ça. Et du coup là, nouvelle petite question. En fait, je vais pas vous le mettre maintenant sur les stories parce que j'ai peur de pas en trouver. Mais en fait, j'aimerais bien me faire tatouer. Oui, parce que en fait, ça fait longtemps que j'y repense, mais j'ai pas jamais vraiment eu l'occasion. Et là, je me dis, je suis à Londres et tout, et j'aime bien faire ça dans des villes différentes. Donc, du coup, dans des pays différents, pardon. Et donc, du coup, je vais vous mettre, si on est sûr d'en trouver un, je vous demande, est-ce que je me fais tatouer ou pas?
Donc voilà, j'ai trop hâte, je suis trop excité. Et là par contre avant on va manger, parce que si je me fais tatouer sans avoir mangé, je pense que je vais tomber dans les pommes clairement. Donc on va manger. Et là par contre je vais vous faire choisir qu'est-ce que je mange. Si je mange genre healthy ou pas du tout. Faites healthy s'il vous plaît, parce que là je suis en mode régime. Il faut que je perde du poids pour la plage là, c'est pas possible. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Ça y est, du coup je vous ai posé la question et vous avez répondu junk food. Donc du coup ça veut dire burger. Et oh. Non, j'avais dit que je suis en mode régime, donc du coup ça m'aurait arrangé de manger healthy. Mais en fait une fois qu'on passe devant une pizzeria on peut pas manger healthy. Donc ouais, vous avez grave voté pour junk food. Et regardez, je trouve c'est trop stylé. Donc on a une petite pizzeria. Désolé, je sais pas si c'est net, hein, c'est pas mon appareil photo. Et regardez leur petite carte, c'est genre pizza, notre pizza. Donc on va prendre pizza. Ça t'apprendra à manger de la junk food. Et ben on va la manger toi aussi. Ah non merci quoi. Nothing. On vient de finir de manger, je vous ai posé la question sur Instagram si je faisais un autre tatouage. Parce que je me suis fait celui-ci il y a genre 2 ans je crois. Be proud. Et là du coup je vais m'en faire un deuxième parce que vous avez voté oui. Oh my god, je stresse un petit peu. Mais ça va être cool, du coup j'aurai ma bras pour me tenir la main. Voilà l'endroit, j'ai un peu peur surtout qu'à côté. Super. Non mais en plus c'est en cercle quoi, sex shop ici, sex shop là, tatoueur là. Bon bah voilà, let's go. Il y a mon tatoueur ici pour contourner les pommes. Il a envie de la tuer. Ça va bien se passer, respire. J'ai envie de... Il a le bras passé sur ce qu'elle a déjà fait, c'est encore pire. Bah, il faut bien que ça reste toute ta vie non? Non, je voulais l'éphémère. Yes, it's finished. Ah! Bah ça a duré quoi? 2 minutes, t'es sérieux? Tu te fous de moi, tu veux le faire? Non merci. Ça y est, je sors de chez le tatoueur. I did it. Il est trop mignon mon petit cœur. S'il vous plaît, tant mieux. S'il vous plaît pas, tant pis, un tatouage je le fais pour moi, pas pour les autres. Donc voilà, juste j'y pensais depuis un petit moment et vous. Voilà, c'était le bon moment pour le faire. Et maintenant du coup petit yaourt glacé. Et donc du coup je vous ai demandé sur Instagram. Qu'est-ce que je mettais sur mon yaourt glacé? Ce que c'est les yaourts glacés. Donc du coup je vous ai mis soit des fruits, soit des sucreries genre chocolat, bonbons, etc. J'espère que vous avez voté les fruits, parce que j'ai vraiment envie de fruits. J'espère que vous allez être avec moi. Vous avez choisi les sucreries bien sûr, hein, vous n'êtes pas avec moi. Donc bah du coup, moi je voulais trop avoir les fraises, les melons, les kiwis, les framboises. Du coup je vais avoir les Oreolibs. Oh là 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 là. Oh my god, t'as pris quoi toi? Fraises Oreo. Attends, t'as mélangé toi. Putain, les fraises elles me donnaient trop envie. J'ai pris un petit. Hein. Thank you so much. Non mais. C'est ton ami. Regarde, viens ce que t'as pris. Toi, t'as pris juste framboise. Moi, j'ai pris hyper healthy, tu sais. Oh, healthy, il y a quand même de la glace. Hein. Et la glace au yaourt. J'adore la glace au yaourt. C'est la seule glace que j'aime. Sinon, je suis pas très glace moi. Maintenant, on va aller voir la roue, c'est ça, de Land High. Et après on va aller passer à la boutique clinique pour un petit jeu, ça va être trop cool. Mon highlighter est quand même très beau franchement. Aïe. Voilà, on est devant la London Eye. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit hein? London Eye. Ouais, London Eye, vous voyez la couleur de l'eau. Super. Ça y est, on est à la boutique clinique avec Marois. Et là on va faire apparemment un genre de reine du shopping. 1, 2, 3. And... En fait j'ai beaucoup plus de soins que trop de papier. Ça y est, de retour à la gare. On va prendre le train. Ils se moquent tous de moi parce que je vlogue. J'ai pas l'habitude de vlogger. Il est quelle heure? Il est 23h24. Dodo. Désolé, là, je suis rentré chez moi, j'ai mis la casquette, je me suis démaquillé, j'ai un peu les yeux. Et donc, du coup, mon petit tatouage.
Donc voilà, je suis trop content, je le trouve trop stylé. Enfin, il faut que je m'habitue parce que bah du coup celui-ci je le vois pas souvent parce que je suis pas souvent comme ça. Tandis que lui, ben je vais le voir tout le temps parce que ben je suis sur la main. Et je sais pas si vous voyez bien, mais en fait il est pile entre mes tendons en fait. Donc ça vient vraiment dans le creux comme ça, donc je trouve ça super stylé. Comme vous avez pu voir dans les images précédentes, je broyais la main de Marois, ce que je déteste. Ça fait tellement mal, je trouve. Enfin, ceux qui ont des tatouages, vous voyez ce que c'est. Et ceux qui en ont des tas et des tas, vous devez bien vous foutre de moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker en masse si elle vous a plu, qu'on dépasse tous les records de likes possibles. Et de mettre en commentaire du coup ce que vous avez pensé de ma journée à Londres, etc, etc, pour que je puisse venir vous répondre. Et surtout à vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.